Good morning, Aleiden. Nous sommes le vendredi 14 Nissan 5776 et le titre est l'Unishmat Rachel Batsara, l'Irfuat Rav Yosef Haim ben Emma Simcha et l'Irfuat Tzion ben Menana, Betoch Shar Chole Israël. Nous étudions Baba Kama, Perek Tet Mishnah Yud Alef. Agozel et Ager Benishbalo Vamet, Areze Meshalem Keren, Vechomesh la Kohanim, Vehasham la Misbeach. שנאמר, ואם אין לאיש גואל, להשיב האשם אליו, האשם המושב לשם לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו. היה מעלה את הכסף ואת האשם ומת. הכסף ינתן לבניו, והאשם יראה עד שיסתאב, וימחר ויפלו דמיו לנדבה. דו רפל, דה משניות פרסדנט, פה קומפרנו סלסי. On parle depuis maintenant plusieurs Mishnah déjà, on parle du Hacham Gezelot. Lorsqu'un homme vole et qu'il jure qu'il n'a pas volé, lorsque cette personne voudra faire Tshuva, il devra rembourser le capital, ajouter à ça un cinquième et amener un Korban Hacham, le Hacham Gezelot, qu'on avait dit, qu'on lit le matin avant la Tfila, ceux qui lisent le Korbanot, là-bas on parle de Elohen Hachamot, là-bas on a dit Hacham Gezelot, c'est ce korban-là. D'accord ? Ce korban se trouve dans Parashat Nasso, Bamidbar Perekhe. On va rapporter le pasouk dans quelques secondes pour expliquer la particularité du Gezelager. D'abord, donc premier rappel, Keren, Chomesh, Hacham. Le capital, ajouter le cinquième, et on apporte ensuite, seulement ensuite, on apporte le korban Hacham. On apprenait maintenant dans la Mishnah, deux Mishnayot en arrière, on apprenait le cas particulier de celui qui vole une personne, qui jure, et qu'ensuite, cette personne volée décède. Alors c'est simple, il faut rendre à ses héritiers. D'accord ? Il faut rendre à ses héritiers le capital. On apprenait le cas particulier, lorsque c'est lui-même l'héritier qui devra quand même trouver un autre héritier pour lui rendre. Voilà les deux rappels. Maintenant, on va expliquer un cas un peu particulier, explicité dans la Torah, dans Parashat Nasso. Dans la Parashat Nasso, donc, Perekhe Mishnah Zayin, Perekhe Pasuk Zayin, là-bas, il y a marqué, donc on raconte, lorsqu'une personne fait une Meila, une tromperie, un sacrilège à Hachem, et après, qui veut faire Tshuva, on parle en fait de quelqu'un qui a volé en jurant, alors le Pasuk nous dit, Veitvadu et Ratatam Asher Asu, il se repentira, il fera Tshuva, d'accord ? Veitvadu et ratatam, il se repentira, explicitera sa faute, Asher Asu, qu'il a fait. Veshiv et Hashamo Berosho, Vachamishito Yosef Alav, Venatan et Asher Hasham Lo. Il devra rembourser le Hasham Berosho. On parle en réalité de l'argent volé, qu'on a appelé ici Hasham. Il y a des halachot qui sont déduites de cette halacha, mais on ne va pas rallonger dessus. Vachamishito Yosef Alav, il devra rajouter aussi un cinquième. Venatan la Asher Hasham Lo, il devra rendre donc cette personne-là à qui il a commis ce crime, Hasham c'est une sorte de crime, de faute, donc à qui il a commis cette faute, il devra lui rendre ça et lui ajouter le cinquième. Le pasouk nous dit ensuite, pasouk ret, Veim en la ish goel, le Hashiva Hasham elav, et si cette personne volée n'a pas de goel, d'héritier, concrètement, ce n'est pas un héritier, c'est une personne qui est apte, qui a un héritier qui est capable de partir libérer plusieurs argent engagé de son proche. Concrètement, on va traduire ça par un héritier, d'accord ? On aura l'occasion de rallonger sur le sujet dans d'autres massertot. Donc, Veimen Laish Goel, donc si cette personne n'a pas d'héritier, Leashiv Hasham Elav, pour que l'on puisse lui rembourser l'argent volé, le pasouk nous dit Ha'asham Amushav Lashem, la Kohen. Le Hasham, on appelle le mot Hasham. L'argent volé, l'argent avec lequel on a commis la faute, qu'on a volé en jurant, à Mouchav, qu'on voudra rendre, l'Hachem, la Kohen. On le rend à Hachem, on le rend au Kohen. Mais l'évadé la Kippourim, Asher Echaper Boalav, en plus, outre le haïl, le bélier de Kapara, qu'il devra apporter pour être mitkaper, pour se faire expier sa faute. Concrètement, donc, on reprend. Dans le Pasuk Zayin, on en a parlé d'abord de celui que. Dans ces deux psukim, on parle de celui qui vole en jurant. Dans le Pasuk Zayin, on a parlé du cas général dans lequel on devra partir rendre le capital et ajouter le cinquième. Et dans le Pasuk Ret, on précise, attention, il y a des cas où, il y a des fois où tu ne trouveras pas d'héritier à cette personne. Dans ce cas-là, il faudra rendre
l'argent volé. Et le cinquième, à Hachem, au Kohen. Et ensuite apporter le Korban, Hacham, Gezelot. D'accord ? Donc, on parle dans ce passoukret d'un cas particulier d'une personne qui décède et qui n'a pas d'héritier. Or, on a un problème. Tout juif a forcément un héritier. On a déjà expliqué cette notion qui sera amplement développée dans Baba Batra. Tout juif a soit un des enfants, soit un père, des frères. Il n'a pas de père, on monte au grand-père. Ce grand-père-là, il a forcément des descendants. S'il n'y a toujours pas de descendants, on monte à l'arrière-grand-père, et on monte encore jusqu'à l'arrière-grand-père, jusqu'à qu'à la fin, on va se retrouver en arrivant aux 12 Shvatim et à Yaakov Avinu. Donc tout juif est forcément cousin d'un juif, plus ou moins éloigné. Donc on aura toujours un héritier. Donc, comment c'est possible que ce pasouk nous dit « Si la personne volée n'a pas d'héritier », Chachamim déduise, on parle forcément de celui qui a volé un Gezel à guerre, Gazal guerre. Il a volé un converti, d'accord ? Donc un goy initialement converti, et il l'a volé, il lui a juré, et entre-temps, ce guerre, ce converti est décédé sans laisser d'héritier. Alors là, puisqu'il n'a plus d'héritier, en théorie, lorsque je dois de l'argent à un guerre qui décède, depuis le moment où le guerre décède, je redeviens, moi, possesseur de l'argent, de la dette que j'avais envers lui. J'ai plus personne à qui le rendre. J'acquiert tout ce que... J'acquiert, on peut acquérir les biens du guerre. Dès que le guerre décède et qu'il n'a pas d'héritier, donc tous ces biens deviennent hefker, il y a de la propriété de tout le monde, chacun peut venir les saisir. D'accord ? Et si j'ai une dette, donc je ne devrais plus lui rendre cet argent. Là, dans ce cas particulier, la Torah nous a dit, pour que tu puisses apporter ton korban et faire une vraie tchouva, alors tu vas apporter cet argent, mais au lieu de le rendre, à qui ? Alors tu vas le rendre au Kohanim. On apprendra dans la prochaine Mishnah qu'on va le rendre au Kohanim qui sont en train de travailler au Beth Amikdash. Il y aura une jolie Mishnah qui va nous introduire quand même des notions des 24 gardes de Kohanim qui se succédaient, qui se relayaient au Beth Amikdash. Enfin, concrètement, donc, on doit rendre cet argent volé au Kohanim. D'accord ? Donc maintenant, on fait la première partie de la Mishnah. Agozel et Ager Venishba Lo. Celui qui vole un converti, un guerre, Vénish Balo, il lui jure qu'il lui a pas volé, et au final va mettre le pauvre guerre, décède, et donc dans ce cas-là, on a le voleur qui a envie de faire tchouba hein, et de rendre cet argent. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? La Mishnah nous dit Arezé Meshalem Keren Vechomesh la Kohanim Vehasham la Misbeach. Il devra aller au Beth Amikdash, on n'a qu'à le dire directement, il va au Beth Amikdash, là-bas, il va trouver une famille de Kohanim qui est de garde, et il va le rendre à eux le Keren, le capital, et le Hacham, le Chomesh, excusez-moi, le Chomesh, je lui rajoute le cinquième, donc il va le donner au Kohanim, et ensuite, il apportera ensuite son Korban Hacham pour le Misbeach. Chez Neymar, comme le dit le verset explicitement, « Vim en la ish goel » et si cette personne n'a pas, donc cette personne volée, n'a pas de Goël, on a traduit ça par le mot héritier. Léachi va Hacham Elav, à qui il pourra rendre cet argent volé. Ha Hacham Amushav Lachem la Kohen. Le Hacham, on ne parle pas du Korban Hacham, on parle de l'argent volé. Le fruit de son vol, de sa faute. Amushav, qui voudra rendre Lachem la Kohen. Il devra le donner à Hacham, comment ? En le donnant au Kohen. C'est un des 24 cadeaux qu'ont reçu les Kohanim. D'accord ? Il y a 24 cadeaux que la Gemara explicite, 24 choses que les Kohanim, ils ont reçues par celles en Eretz Israël, mais en compensation, ils reçoivent plusieurs, ce qu'on appelle les matnot keuna. D'accord ? On leur donne la Trouma, on leur donne le Pidyon Aben, on leur donne le Peter Rechem, Peter Hamor. Il y a comme ça plusieurs cadeaux qu'on fait aux Kohanim, et l'un de ces cadeaux, c'est de rendre le Gezel à la guerre. Mais l'Evad El Akipurim, ma chère Rabbi Bala, c'est la suite du passage qui nous dit, en plus, outre le Eil HaKippurim, le bélier de Kapara, d'expiation, qu'il devra apporter pour se faire expier sa faute. D'accord ? Maintenant, cas particulier, alors, on va introduire ça comme ça. On va d'abord expliquer quand même une petite lomdes. Il faut bien réaliser. Lorsque je dois rendre, moi le voleur qui a juré à tort, je dois rendre cet argent maintenant au Kohanim, il faut bien comprendre. Cet argent que je donne au Kohanim, ce n'est pas un dû, c'est un don. Je m'explique. Juridiquement, lorsque le guerre décède, je ne lui dois plus rien. Religieusement, parce que je dois faire tchouva, alors
la Torah m'a dit, vas-y, fais quelque chose de bien, prends cet argent et va le donner au Kohanim. Mais tant que l'argent n'est pas arrivé au Kohanim, je dois rien au Kohanim. Quel est l'intérêt de cette lomdes? La conséquence, elle est simple. Dans le cas où le voleur, maintenant, décède à son tour, est-ce que ses héritiers devront rendre ce vol à la personne volée? Tout d'abord, peut-être qu'il manque une halakha pshuta que vous ne savez peut-être pas forcément. Si une personne vole un objet de son prochain, de l'argent, et qu'il dépense même cet argent, on ne va pas prendre le cas où il dépense, un peu plus délicat. Peu importe. Il vole de l'argent et le billet, il est encore là. Ou il est encore... D'accord, le billet, il est encore là. Et il s'avère que cette personne, ensuite, le voleur décède. Les héritiers ont un devoir de prendre cet argent et d'aller le rendre, parce que cet argent, il n'est pas à eux. D'accord? Partant de ce principe, lorsque je vole un guer qui décède, et en jurant, lorsqu'ensuite ce voleur décède, est-ce que ses enfants devront rendre cet argent au Kohanim? La Mishnah veut nous enseigner que non. Pourquoi? Parce que les Kohanim qui reçoivent cet argent, c'est un don qu'on leur fait. C'est l'Hachem qui leur a fait un des cadeaux qu'on fait au Kohanim, c'est de leur rendre cet argent. À défaut de le rendre à personne d'autre, alors la Torah leur dit, allez, donne-le quand même au Kohen. Mais on leur doit rien au Kohen. C'est juste la personne qui fait tshuva de son plein gré, quand il va faire sa tshuva, il va venir, il va rendre cet argent au Kohanim. En l'occurrence, lorsque ce voleur décède, alors il devra plus les héritiers du voleur ne devront plus rendre cet argent au Kohanim. D'accord? Regardez comment la Mishnah exprime. Il était en train de faire monter l'argent et son korban Hacham va mettre. Où il le faisait monter? Il le faisait monter à Yerushalayim pour donner l'argent au Kohanim qui était de garde et le Hacham pour l'apporter au Beth Amikdash. Et cette pauvre personne n'a pas eu la chance de faire une vraie tshuva, va mettre et il est décédé. Alors qu'est-ce qu'on fait? A Kesef inatan lebanav. L'argent qu'il avait prévu de donner au Kohanim, on ne le donnera plus au Kohanim, il n'y a plus d'intérêt. C'est un sroute de pouvoir faire cette capara, cette expiation. S'il est parti, il n'a plus de devoir de faire cette expiation. Il n'y a aucun intérêt à rendre cet argent au Kohanim, parce que ce n'est pas un dû au Kohanim, c'est un don. Pour celui qui fait tshuva, il a la possibilité de donner cet argent au Kohanim. S'il n'est plus là pour faire tshuva, capara tavonot. D'accord? Et un cas particulier, maintenant une précision spéciale de la Mishnah, « Ve'a Hacham ir'e acheistaev » Veimacher veiplu dama vlindaba. Ça, c'est une pure halakha du Seder Kochim. On l'explique très rapidement. C'est un sujet vaste, ça dépend des korbanot en fait. Il y a plusieurs sortes de sacrifices qu'on apporte au Beth Amikdash, selon le cas, un khatat, un sham, un shlamim, un hola, toda, un korban pesach, qu'on doit faire cet après-midi, dans un tachem, ce sera plus pour l'année prochaine, malheureusement. En tout cas, d'accord, qu'est-ce qui se passe lorsque le propriétaire du Corban, donc de ce sacrifice, décède. Est-ce qu'on apporte ou non ce Corban malgré tout? Dans certains cas de Corbanot, oui. Dans d'autres cas, non. Il y a des halakhot bien claires et strictes. En général, Ola Shlamim, on pourra les apporter. Khatat, il faudra enfermer l'animal et le laisser mourir de faim. Et Hacham, il y a une halakha spéciale. Cet animal-là, on ne peut pas l'apporter au Corban. En corban, d'accord? Mais malgré tout, qu'est-ce qu'on va faire? On va le laisser paître, jusqu'à qu'à la fin, il va de lui-même avoir un moum, un défaut qui va lui apparaître, et ensuite, une fois qu'il aura ce défaut, on pourra ensuite le vendre à une tierce personne pour qu'il le mange. Il n'aura pas le droit de travailler avec cet animal, mais il pourra quand même manger cet animal, et il mangera cet animal, et en tout cas, et avec l'argent qu'on récupérera de ce haïl, de ce bélier, alors on pourra acheter ensuite un korban, on devra ensuite acheter un korban Ola, que le gizbar, le trésorier du Beth Amikdash, apportera en Ola. D'accord? Donc c'est ce que la Mishnah nous dit comme ça. Ve'a Hacham, et le korban Hacham, qu'est-ce qu'il en fera? Ir'e, il devra paître. Acheistaev, jusqu'à qu'il va avoir un moum. Veimacher, et ensuite on pourra le vendre. Veiplu damav lindava, et sa contre-valeur, donc l'argent qu'on récupérera de sa vente, tomberont dans la caisse des nedavot, des korban ola qu'on a porté, que le trésorier avait au Beth Amikdash. Ça arrivait des fois au Beth Amikdash, ou le Mizbeach, l'hôtel
n'avaient plus de korbanot, et pour ne pas laisser, c'est pas un kavod pour l'autel de rester sans consommer quelque chose, donc il fallait lui monter de temps en temps des holot, et en l'occurrence, ça venait de ce type de hacham. Voilà pour la Mishnah, on fait rapidement le Barthénora, « Shneamar ve'emen la'ish goel »« Ve'en lecha adam be'Israël, shen lo goalim, le'mala ad Yaakov avinu » Comment c'est possible qu'un homme, que le poste nous dit, s'il n'a pas d'héritier? Tout juif a forcément, il n'y a aucun juif qui n'a pas d'héritier, les mâles au-dessus, jusqu'à qui va arriver finalement à son arrière-arrière-arrière-grand-père, ça va être Yaakov Avinu. Et là, forcément, il nous reste à déduire, Zehager Shemet Ven Lo Yorshim. On parle du cas d'un guerre, d'un converti qui décède sans laisser d'héritier. Vamet Agazlan. Ensuite, on se rapporte sur la suite de la Mishnah, la deuxième partie de la Mishnah, lorsqu'elle faisait monter son argent et son hacham au Bet Amigdash, Vamet. Vamet, qui c'est qui est décédé? À Gazlan. Alors la Mishnah nous dit, Akesef inaten lebanav shel Gazlan. On rendra cet argent aux enfants, aux héritiers du voleur. Shekvar zacha ba'en mimitat ager. Parce qu'il s'avère qu'en réalité, concrètement, juridiquement, comme ce qu'on a expliqué, le voleur a déjà acquis cet argent depuis le décès du guerre. Qu'il est d'accord que le guerre était décédé. Et là, d'achava bel emebad qui écrit des tiabel kapara ashvoate. Seulement, il y a malgré tout une mitzvah pour faire la kaparade, une mitzvah de rapporter quand même malgré tout cet argent, de le rendre quand même au kohanim, afin de se faire expier sa faute. V'achta, et maintenant, l'ahmo. Tout lika kapara, kevan de mitle. Il n'y a plus de kapara à lui faire, il n'y a plus d'expiation à lui faire, étant donné qu'il est parti dans l'autre monde. V'acham ir'e adcheistaev. Vehasham ir'e, il faudra le faire paître. Ça, c'est une règle générale. Kedin Hasham shemetu ba'alav, comme tous les cas des korban Hasham, lorsque son propriétaire décède, de kaimalan kol shebechatat meta be'Hasham ro'e. Merci au Barthénora qui nous rapporte une règle bien plus compliquée pour celui qui ne connaît pas Kochim. Je la traduis, on ne va pas la rallonger dessus, on est tous veille de fête. De kaimalan, parce qu'on a une règle qui nous dit kol shebechatat meta. Dans tous les cas où tu verras un korban khatat, où la halakha nous dit de laisser le khatat mourir, comme on a expliqué, qu'on le laisse mourir de faim, be'acham ro'e, dans le korbanot acham, alors il faudra le faire paître, comme ce que nous dit la Mishnah. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un Pessah kasher v'sameach, et rendez-vous, Bezrat Hashem, Motzei Shabbat, enfin un dimanche matin, ou pour les habitants de Chutz La'aretz, ce sera dimanche soir. Et Kol Tuv, c'est la Pessah Kasher de sa mère. Oh, j'ai oublié un petit Barthénora. Bon, allez, je le fais vite fait. Hachi Istaev, Hachi Ipol Bomum. D'accord, ça veut dire quoi le mot Istaev? C'est jusqu'à qu'il a un défaut qui va lui apparaître. Viblu Damav, Lindava, Le Keitz, Amisbeach, Liknot, Mehem, Olot. Il devra l'apporter ça pour la caisse du Misbeach pour apporter des lots. Et de nouveau, Pessah Kasher de sa mère à tous.